Et salut les rocketeurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série Road to 2000 MMR en 2v2. On est déjà au 6ème épisode et rappelez-vous, hier on s'est arrêté 1516 MMR, toujours GC1 Div 3, en espérant faire un petit épisode full win aujourd'hui, comme ça on pourrait bien monter et aller dans des games beaucoup plus intéressantes. Allez, c'est parti pour la game 1. Ok, game 1, on est contre un mec qui est gagnant du tournoi SSL, donc waouh, ça va peut-être avoir du niveau. Après les tournois SSL, bon, des fois c'est des gens, tu connais quelqu'un de plus fort, il te donne le titre. Des fois dans les tournois il n'y a pas d'équipe forte, donc ça veut pas souvent dire que t'es fort. Alors je pense que même je crois que le Bouzeux il a le titre gagnant SSL puisqu'il l'a gagné avec Moxie ou Falca ou un truc comme ça. Donc bon. Avec tout le respect que j'ai pour le Bouzeux, je le trouve très fort à Rocket League. Je pense qu'il n'est pas de niveau SSL. Oh non, j'ai de choc. Et bah voilà, bah moi non plus, je suis pas de niveau SSL. Ça m'apprendra. Non, my bad. Putain, j'ai pas mis le my bad dans les chats écrits, ça me dérange. Ok. Allez Gaspo, faut mieux jouer là. Ah, mon niveau est désastreux. On va prendre le boost. Je vais laisser le mid. Et encore une balle ratée de la part de Gaspo, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais c'était un raté stratégique, parce que là mon mate avait un open grâce à mon raté. Et oui, c'était stratégique. Sans mon raté, il n'y a pas ce but. Bien sûr, je pense que les plus attentifs d'entre vous l'avaient vu. Évidemment que c'était pas du tout un raté, mais totalement maîtrisé et réfléchi. Oh, dommage, j'aurais pu avoir un open en faisant un follow désastreux. Oh, dommage. On va faire un pré-flip, ça fait peut-être une passe. Non, ça fait pas de passe. Aïe, c'est pas but. C'est le principal, que ce soit pas bu. Oh, ça rate. Dommage. J'ai le boost. Mon mate là, j'espère. Ok, je l'ai vu venir que c'était pas dedans. Ok, on va fake. On va air dribble. Et on va double tap si on peut. Ah, dommage. Je jure que l'angle est impossible en vrai, je pense. J'étais trop close de... Trop close du backboard. Allez, oui, c'est bu? Non, c'est pas bu. Carhartt va la voir. Je vais essayer de la lever pour lui. Je pense que si je la lève pour lui et qu'il est plus rapide. Ouais, dommage. Ouais, ça c'est bien joué. Est-ce qu'il peut y retourner? Non, il me la laisse. Ok, d'accord. Je m'y attendais pas. J'ai le reset, je crois. Non, je l'ai pas. Putain, si je l'avais eu, les gars. Je l'aurais éliminé. Plus double tap, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. On va... Non, putain, il s'y attend. Ok, ça, je l'élimine. Normalement, j'ai peut-être le temps de prendre un bon duel. Ah, il est mauvais le duel, hein. Très mauvais. Un petit pad et on se replace direct parce que ça peut vite partir en face. Ok. J'ai normalement... Okay, mon mate là, c'est très bien. J'ai un peu paniqué, mais il me fait une passe, j'arrive plus à parler. Ok. Enfin, il a raté son clear, en tout cas, il m'a fait une passe. Mon mate qui reste derrière, ok. Pas la meilleure des stratégies, je pense, mais... Il prend pas de risque, c'est bien. Oh non, la chance. Okay. Putain, pourtant, j'ai essayé de l'esquiver, hein. Et je me doutais qu'elle allait essayer de me rush. Mon mate peut-être va l'avoir en premier. Non, c'est pas le cas. Mais c'est pas dedans. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Dur. C'est dur, là. Ah ouais, il a été rapide. Hein. Il a été rapide en face. Et moi, je perds du temps à esquiver le bump. C'était dur. Ils ont bien joué en face. Hein. Ils ont mis beaucoup de pression et ça finit par payer. Allez, en vrai, 1 minute 38. Ouais, vas-y, sur moi. Mais non. Oh, imaginez. Oh là là, si je marquais ça, ça aurait été fou. Et il l'a, je pense. Reset. Ouais, le reset est bon.
Ça les oblige à clear. On might est first. Allez, Marc. Ah, dommage, elle a raté. Sinon, c'était but. Et je vais aller au sailing. Allez, je l'élimine. Mais putain, l'autre, il a back. Allez, open, open, open. Ouais, c'est bien. Encore? Ouais, il a été rapide. Bien joué. Bien joué, je rate pas l'open. Très belle passe. Très, très belle passe. Il a compris qu'il devait pas marquer, mais juste éliminer les adversaires. Et en face, ça panique. Petite erreur de la Dominus quand même. Hein. ZQYD là. Il devait rotate hein, derrière son mate. Il aurait pas eu ce but. Il a voulu ball chase. Et ça lui a coûté très cher. Je bloque. Il l'a pas, je pense. Je prends leur boost. On fake. Je bloque. Et normalement, mon mate à l'open. Magnifique. Magnifique. Je devais juste les éliminer. Hein. Je devais pas essayer de marquer. Donc je vais essayer de gagner les duels. Et c'est bien passé. Bien joué mon mate. Il a bien suivi. Très content. Très content de ce qui vient de se passer. Voilà. Le duel est excellent. Je me souviens j'avais vu Itachi qui kick-offait comme ça. De chez Gentlemate. Ça m'avait surpris. On sait pas que les pros... Oh, je l'ai pas touché là. Ça va peut-être être but de ma faute. Ok, j'ai le temps. Ok, j'ai gagné le duel. Ça nous laisse énormément de temps. Regardez la balle, elle est très très lente vers leur camp. J'ai le temps d'aller chercher du boost. Mais j'ai fait une petite erreur parce que bah, mon mate me fait un centre et je suis pas là. Oh non, c'est peut-être but. Oh non, je suis désolé, c'est my bad. C'est tellement my bad. Là, je dois être là après le duel de mon mate. C'est vraiment totalement ma faute, hein, ce but. Je fais n'importe quoi. C'est dommage. Après avoir bien joué juste avant pour marquer le troisième but. Ok, bon kick-off par contre. Je bum si je peux. Non, je peux pas. J'allais prendre le boost derrière. Et on va essayer de pas se faire éliminer bêtement. Ok, normalement, il va juste air dribble. Et rien faire de plus. Ok. Allez. Pas un kick-off goal. Juste un, pas un kick-off goal, c'est tout ce que je demande. Son kick-off était désastreux à mon mate. Mais c'est passé. Non, ok, il a bump. Ok, ça va. En vrai, ça m'arrange qu'il saute. Hein, parce que là, j'allais faire une passe à son mate. Ah, oh, j'ai raté mon air dribble, putain. Enfin, j'ai raté mon aérienne. J'ai du mal dans cette game à jouer mécaniquement. Vraiment le niveau d'un GC1. Ça arrive, hein, des mauvaises games. Ok, bon clear. On va chercher le boost. Non, il va l'avoir avant moi. C'est un problème. Et, bah allez, j'ai pas de boost mais c'est pas grave, je vais m'avancer quand même. Ah non, je vais pas m'avancer mais là il va me faire une passe. Allez, open, open. Oui monsieur, c'est but monsieur. Et oui, let's go. Le bon duel, mon mate est bien placé. En vrai, super. Franchement, il a été excellent mon mate. Donc très très content. Cette game aurait pu mieux se passer, hein. J'aurais pu prendre moins de buts. Mais en tout cas... Je suis très content. Allez, on passe à la game 2. C'est parti. Allez, on rappelle que je dois gagner victoire obligatoire. Et on est avec un streamer. On est avec un streamer. Tiens, j'irai voir s'il stream après. Et on est encore contre ZQYD qui est gagnant tour SSL. Ok. On va attraper le plafond. On prend un duel. Et mon mate a un potentiel 1v1. Ok, il l'a, je pense. Ok. Non, laisse. Wow. Oh. Imaginez, il me bump vers le corner de là. Oh. Dommage que j'avais pas de boost. Et il y a encore un mec avec la couronne, c'est fou. C'était le même que dans l'épisode d'avant ou pas? C'est quand même fou. Dans l'épisode d'hier, il y avait déjà un mec avec la couronne saison 1. Je joue que des joueurs saison 1 là. Est-ce que le jeu reprendrait une hype vers les anciens joueurs? Ok, wow, j'ai mal clear. Si c'est but, c'est ma faute. Mais mon mate va l'avoir. On va la contrôler. Je sais pas si je peux la reset. Ah, ça c'est de la merde. Je laisse mon mate en 1v1. Je veux trop faire des mechas et ça sert à rien. Ça donne juste un duel raté. C'est ça que je dois changer si je veux monter de niveau. Hein. Si je veux être demi MMR. C'est vraiment ça que je dois changer. Ok, je l'ai clear. Hop, elle va s'envoler, je pense. Ah non. Je sais pas s'il l'a. Ouais, il l'a. Mais au moins, c'est une balle difficile. Il est obligé. Ah, oh, ça aurait pu être but pour nous, ça.
J'avais mieux de chase. Ouh là là, mon mate, il a fait un rond-point. Je l'ai entendu sauter. Putain, je l'ai entendu sauter. Il est tellement fast. Ouais, ça fait deux fois qu'il marque un but comme ça, ZQYD. En sautant super vite sans réfléchir. Ah, regardez, hein, direct. Hein. Pouah. C'est deux fois qu'il fait ça. Un game d'avant, il a fait aussi. Nice pseudo. Ah, bah, c'est un français, je pense, le mec. Pour moi. Ok. Ok. Je bloque. Ah, j'ai pas leur boost, fait chier. Prendre le leur là. Ok, il va l'avoir, Dongui. Il va peut-être me la donner. Ah, il contrôle, c'est bien. Non, je peux pas. Ok, mon mate là. Ah, si je bump, ce serait excellent, mais j'ai pas de bump. Là, mon mate. Ah, il l'a pas. J'ai 0, ok. Il va se refaire contrer. Non, ça va. Il s'est pas fait contrer. Moi, je peux peut-être l'éliminer. Spawn, spawn, spawn. Ah, je pense qu'il avait. Dommage, dommage, dommage. En vrai, je peux pas faire grand chose cette balle. Vaut mieux ne pas sauter d'un mur. Vous avez pas de boost. Parce que ça va laisser votre mate en 1v2 sinon. Donc je me replace et j'attends une meilleure opportunité. J'ai réussi à un peu contrer, mais pas tant. Mon mec qui va chercher le boost, c'est un fou furieux. Mais ça passe. Je l'aurais pas fait, je pense. Musty. J'essaie d'éliminer. Mon mate a une bonne balle là. Les deux ils se replacent. Regarde ce qui se passe. Oh, ok. Il va sûrement tirer. Ouais. Je peux pas. Bien joué mon mate. Excellent. J'aurais pu plus gêner en vrai. J'ai mal joué la défense. Mais ça va, je l'ai. Non, fallait pas y aller. Ah. Ok. C'est peut-être open. Hein. C'est peut-être open ça. Eh oui monsieur. ZQYD qui veut aller trop vite. Il veut ball chase. Du coup il rate des balles. Aïe 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 aïe. Il va sur des balles qu'il doit pas aller. C'est peut-être des choses qu'il devrait corriger et je pense qu'il serait meilleur. Parce que ça fait deux fois que je marque des buts parce qu'il se replace pas et qu'il veut juste ball chase. Ok, bien joué. Ok, je la save. C'est excellent, il va vouloir me bump. C'est pas passé. On a peut-être potentiellement un open. Non, on n'a pas d'open. Je prends du boost et je me rapproche. Ok, bump, bump, bump. Je clear, il va... Oh, il a raté la kebab, je l'ai vu. Double tap, du coup. Et oui, monsieur! Je sais que j'ai de l'espace et je me permets une petite double tap. Let's go. Allez. Oh non, mon mate n'a pas eu la balle en premier. Je comprends pas comment c'est possible. Mais c'est pas but. Je clear. Dongui, il l'a vu que j'allais clear... Il s'est mis un peu en arrière. Je vais attendre la balle. Ouais, ok. Heureusement que je la touche. Hein. C'était pas évident. Si je la touche pas, en vrai, ça fait vraiment un énorme centre pour ZQYD. Je vais la mettre au-dessus. J'ai pas beaucoup de boost. ZQYD va me prendre ce boost-là. Donc, faut que je prenne des pads. Hein. Faut vraiment que je prenne des pads. Il n'y en a pas de boost dispo. Ouais, je vais le rush, je pense. Ouais, ça, c'est bien. Non, je peux pas. Faut vite que je back. Ouais, excellent, mon mate. Excellent. Allez, rush-le. Ouais, bien joué. Allez. Je fais une touche, je vais au plafond. Ah, je voulais contrer. J'avais pas assez de boost hein, pour faire le move là. Ouais, bien joué. Il a bien fake. Je peux bump. Et c'est open. Non, je voulais mettre une talonnade. C'était trop dur. Oh là là. Je comprends pas comment il a pas marqué l'open par contre, mon mate. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Là, là. Ok, heureusement qu'il le passe. Mais en vrai, il me laisse en 1v1. C'est pas dingue. On va chercher le boost. La balle, je vais au plafond. Et on cut. Magnifique. Normalement, c'est bu. Enfin, c'est gagné, je veux dire. Hop là, parfait. C'est gagné. C'était la game 2, il me semble. Et on va passer tout de suite à la game 3 pour le full win. Si on gagne la troisième game, c'est full win. C'est parfait. Allez, c'est parti. Game 3 du jeu. J'ai oublié de regarder si mais non, je tombe avec Jesse, what the fuck, à l'ancienne. Jesse, pour ceux qui connaissent pas, c'était un des plus grands streamers RL à l'époque. What the fuck. C'était un mec qui était vraiment trop drôle. Il avait le niveau SSL.
Donc vraiment, c'est une aubaine de tomber avec lui. Hein. C'est une aubaine à Stello de tomber avec lui. Là, vraiment, ça va être dur pour les adversaires, je pense. Je pense vraiment que ça va être dur. Parce que Jesse, il a mon niveau. Donc, vu qu'en face, c'est des GC1, ils ont pas eu de chance. Hein. Franchement, le matchmaking, là, il a été dur avec eux. Mais trop marrant, je tombe avec lui. Je pensais qu'il avait disparu. Je crois qu'il a arrêté le stream complètement. Et je vois qu'il a le titre Vitality. Donc, est-ce qu'il est sub chez Vita? Ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est faire épique, le sub chez Vita. Je pense que c'est juste qu'il avait été Vita à une certaine époque, avant qu'il arrête. Et il est toujours dans le club. Allez, je lui fais une passe. Vas-y. Oh là là. En vrai, s'il y a une vidéo que vous avez jamais vue sur Rocket League, c'est The World's Unluckiest Man sur Rocket League FX. Je crois que la vidéo, elle a 1 million de vues. Et je vous jure, elle est trop marrante, cette vidéo. C'est genre Jesse qui rate plein de tirs. Il tire sur plein de crossbars et qui s'énerve. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Ok. Oh. Non, je peux pas. Ok. Oh oui, je l'élimine. Et c'est open. Ah, mais ce que je rate, putain. Ce que je rate. Je veux dire désolé, parce que là j'ai fait nimp. Et c'est but. Let's go. 2Z. Et ça sent le full win, les gars. Ça sent le full win. Give me your teammate. Ah, mais là, mec, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je pense qu'il peut tenter tout ce qu'il veut. Gagner cette game, c'est impossible pour lui. Il y a trop. On a tous les deux pas notre elo, je pense. Donc. Ah, peut-être que Jesse l'a arrêté depuis longtemps et du coup il a perdu du niveau, je sais pas. Je me rends pas compte si j'arrêterais. Là, si j'arrête Rocket League maintenant, est-ce que je reprends dans 2 ans, je suis GC1? Je me pose la question. Hein. Je pense que quand même j'arriverai au moins à arriver au GC3. Et je bump. Parce que ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas Rocket League, je pense. Ça m'est jamais arrivé, je n'ai jamais fait de pause aussi longue, j'ai jamais fait une pause d'un an. Donc je peux pas vous dire si... J'ai pas la reset, je pense. Ouais, j'ai pas la reset. Je suis trop nul au jeu, j'arrive plus à avoir des resets en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Mécaniquement, je suis désastreux. Enfin, quand je vois en freeplay, j'y arrive bien, mais en game, je fais nimp. Allez, un bon reset là. Allez. Non, laisse-moi jouer. Il me laisse pas jouer. Ah, dommage, je voulais éliminer. C'est pas passé. Allez, mon mate. Il va l'avoir. Allez, corner. Pour Jesse. Et c'est but. Ça va trop vite pour eux. Ça va trop vite. Allez, 3-0. Oh, il va faire un. Il va faire un backlight. Non, je pensais qu'il allait mettre à son teammate au kickoff. Au boost derrière. Mais non. Ok, on save la balle, elle était vraiment dangereuse cette balle là. Allez, donne-moi la balle honnête. Oui, je te la mets mid. Ah, personne. Ok, il prend notre boost, ça c'est malin. Mais Jesse gagne bien du temps. Est-ce que je peux double tap? Non, je peux pas double tap. Bon, je peux prendre leur boost. Je fais un zap dash. Pour revenir. Oh. On va voir ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Je peux peut-être tirer. Non, je vais fake. Ah, parce qu'il panique hein, en face. Ah, dommage. Je voulais éliminer. Allez, mets-la moi à droite, Jesse. J'ai raté l'inratable. Merde. Bon, en vrai, 3-0, 45 secondes. C'est juste une question de temps. Et je pensais qu'il allait partir en air dribble, mais pas du tout. Ah, ça se trash en face. Alors, vous noterez que j'ai volontairement relevé ma cam
exprès pour que vous puissiez voir quand mon adversaire fait mon teammate surhand, parce que j'ai remarqué que dans les épisodes d'avant, ça arrivait et vous ne le voyez pas à cause de ma cam. Voilà, j'ai pensé à tout pour que cette série soit très agréable pour vous. Aïe 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 aïe, ça trash en face, hein, ça trash. Reported, ah oui, je comprends. Et souvent les gens qui mettent, osent pas mettre leur pseudo, c'est les plus toxiques. Ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence. Oh non, my Smurf Gunman, ah là là. Si c'est ton Smurf, pourquoi tu solo queue? Je comprends pas les gens qui solo queue Smurf, vraiment. N'apporte rien. Le Smurf à la limite pour jouer avec un pote, ok. Pour faire une série YouTube, ok. Pour jouer tout seul tranquillement, je vois pas l'intérêt. Autant jouer en casual, hein. En tout cas, cette game est gagnée et ça nous fait un épisode full win. Full win, mesdames et messieurs. Et donc, quel elo nous sommes? Nous sommes 1553 points GC1 Division 4. Ça veut dire que l'épisode de demain, potentiellement, un petit GC2 qui se profile. Potentiellement. Donc, c'est ce qu'on espère. Allez, on passe à rien du tout. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve dès demain pour la suite de la série Road to 2K MMR. C'était Gaspo. Ciao!